Faux tripping. Maintenant que tu sais tout, les fautes, les choix, le doute est là, mais n'en parlons plus. Donc voilà, donc ouais, Maveri, je suis chanteuse, enfin R&B, on va dire R&B, mais c'est vrai que au niveau musical, je suis très très éclectique, donc je peux toucher un petit peu à tout. Voilà, je fais de la musique quoi. Après, R&B ou pas, je fais de la musique en général. Voilà, je fais de la musique, je peux me greffer n'importe où. Selon mes, voilà, les délires des gens, si ça me plaît, je sais pas, il peut y avoir un morceau, je sais pas, rock qui me plaît, bah, je peux aller poser dessus. Voilà, après, c'est toujours, voilà, il restera toujours ma petite touche personnelle. Donc ça sonnera à Maveri, mais voilà, ce sera adapté à autre chose en fait. Maintenant que tu sais tout, mes fautes, mes choix, le doute est là, mais n'en parlons plus. Ben en fait, ce morceau, c'est un morceau moi que je qualifierais de magique, parce qu'en fait, à la base, donc c'est une instru de Matt Houston. Donc cette personne, quand je l'ai rencontrée, en fait, voilà, bon, elle m'a dit voilà, j'ai une instru, voilà, bon, moi j'ai écouté, j'ai super accroché en fait sur cette instru, et puis j'ai commencé à voilà gratter dessus, voilà, à créer la mélodie, tout ça, et donc Matt après s'est greffé dessus, et voilà, ça a donné un, pour moi, un super morceau. Je pense que c'est une, pour moi c'est une très belle collaboration en fait. Parce que je me suis sentie super à l'aise sur cet instru. Et donc voilà quoi. Donc ouais, pour moi c'est un super morceau. J'ai déjà vu ce regard-là. À quoi tu joues? Je sais que tu es déçu. Rien à dire pour ma défense, mais je pense à tous ces moments seuls à attendre dans le silence. En fait, Matt, c'est quelqu'un que je connais vite fait déjà à la base, parce qu'on était on était dans le même quartier. Par rapport à donc Thomas Vu, donc photographe, qui a donc fait un book pour Matt. Voilà, donc sur un shooting, on s'est recroisé. Et puis voilà, on s'est capté, et maintenant qu'on a grandi, parce qu'on a quand même un écart d'âge, maintenant qu'on a grandi, donc voilà, on a pu faire, on a pu se connecter donc pour faire de la musique quoi, et notamment ce son, Super Son Ma Douleur. Si je t'ai blessé, regarde à quel point les actes comptent. Le poids des erreurs et l'absence te montrent qu'il n'y a pas de mi-mesure. Croyais-tu vivre des instants si durs? Oui, donc bientôt là, ça m'en sous peu. Donc le clip, par contre, ce sera la version. La version solo, ce sera pas la version avec Matt, donc ouais, donc on prépare un clip là pour ce morceau, bientôt, très bientôt. Normalement, je veux pas trop te donner de date, mais bon, normalement, il devrait être fini pour le mois de décembre. Le morceau Ma Douleur, donc la version avec Matt, et donc en téléchargement, vous pouvez l'avoir sur donc www.maveri.fr, qui est mon site donc internet, avec tout dessus, avec le dernier morceau donc Pas besoin de toi, avec donc le morceau Ma douleur avec Matt, et bientôt donc la version solo de Ma douleur. Voilà. Jessica Rescue, spéciale dédicace pour Maveri. Elle arrive et vous allez vous en souvenir, rappelez-vous bien. Thomas V, Digital, Red One, les BPL Studio, ça arrive bientôt. Donc le mouvement R&B français, ouais, après, je sais pas. Comme j'ai dit, moi, c'est un petit peu difficile pour moi de caser des artistes dans des styles particuliers. Donc, R&B, ouais, on peut dire, je sais pas, il y a Zao, qui est une très bonne chanteuse. Mais bon, c'est pareil, après, Zao, ouais, R&B à la base. Mais voilà, moi, je l'ai vu sur un plateau sortir sa petite guitare, faire, voilà, un truc super. Pas forcément R&B quoi, donc moi perso je suis pas très pour mettre des noms, caser des artistes dans des bacs et dire voilà, lui fait du R&B, lui fait du hip hop. C'est tellement large la musique, on peut tellement faire, voilà, même si on a une particularité quelque part, voilà, on va être plus hip hop ou plus voilà, parenthèse R&B ou plus rock machin, on peut se mélanger, on peut aller ailleurs, on peut kiffer autre chose, on peut
Voilà, donc c'est un peu difficile. Puis en plus, la musique a évolué, donc voilà, la musique elle a évolué. C'est difficile de dire, voilà, lui il fait de la pure soul. Non, parce que la soul elle a évolué aussi, donc voilà, on peut pas qualifier ça, pardon, de soul, quoi. C'est pour moi, la musique c'est trop large, ça va trop loin pour qu'on puisse dire voilà, il y a du R&B, il y a du hip hop, il y a du truc. C'est pas possible, c'est un petit peu difficile pour moi. Donc j'ai un petit peu de mal à m'exprimer sur ce sujet. Ouais. Et tous ces mots résonnent encore. Donc c'est Maveri pour Classe R&B. Allez tous sur www.classerb.com, le premier sur le R&B.